Je suis Jim Sandré, responsable développement Noroto France Franchise. Le positionnement de l'enseigne sur le marché, nous sommes leaders dans le domaine du centre auto. C'est-à-dire nous avons effectivement un centre auto qui est composé d'un atelier et d'une surface de vente. Et le but, c'est effectivement la prise en charge rapide de nos clients avec plus de 140 prestations en atelier. Et cela va effectivement aussi bien des vidanges, des réparations, des plaquettes de frein, etc. La durée du parcours, en fin de compte, dépend essentiellement de la mobilité du candidat. Ça peut durer entre 6 et 18 mois. Si le candidat il est mobile, si on arrive à faire matcher le candidat son profil par rapport au projet déjà en cours, c'est très rapide et très simple. Mais si le candidat est peu mobile et qu'il faut effectivement trouver un projet à sa mesure, ça peut demander effectivement un an et demi. Alors l'accompagnement est essentiellement au quotidien, donc à plusieurs étapes. Déjà d'une part, dès effectivement les premiers contacts, on accompagne le candidat de A à Z, aussi bien pour trouver l'emplacement, aussi bien pour aller voir le banquier, pour aller voir l'expert comptable, pour aller voir l'architecte, pour le second œuvre, pour aller discuter avec le bailleur, pour avoir les meilleures conditions locatives, etc. Ça va vraiment à toutes les étapes. Et une fois que le franchise est en place, on l'accompagne au quotidien avec une visite tous les 5 à 6 semaines par un directeur de secteur qui a pour but de l'aider dans l'exploitation du centre. Et nos directeurs de secteur ont la particularité, d'avoir été au moins entre 10 et 15 ans eux-mêmes directeurs de centre dans la Noroto en succursale, donc qui maîtrisent parfaitement le métier. Les franchisés qui réussissent le mieux sont les franchisés qui ont vraiment adhéré à 100% au concept. C'est vrai que le contrat de franchise, on dit que c'est un contrat d'adhésion. Donc si le candidat il adhère effectivement au concept, c'est plus facile de l'aider à réitérer effectivement notre succès. Donc ce sont souvent des franchisés qui ont la capacité de prendre en charge le client, donc d'excellents commerçants, qui ont vraiment le sens du client et l'amour du client. Et deuxièmement, des franchisés qui ont la capacité de manager une unité assez réduite, 6 à 10 personnes. Et puis en même temps, des personnes capables de gérer un portefeuille, de gérer un centre de profit, donc d'excellents gestionnaires. Donc être excellent gestionnaire, être un bon manager et surtout être un excellent commerçant. Voilà. La relation avec Franchise Direct se passe très bien pour la simple raison, à partir du moment que la demande est bien comprise dès le départ, automatiquement on reçoit des profits qui correspondent à peu près à ce qu'on attend. Après, effectivement, c'est la relation au quotidien qui va faire que ben, si on constate qu'il y a une baisse soit en nombre, soit en qualité, d'échanger, discuter et de rectifier le tir. Donc, tant que nous avons quelqu'un qui est à l'écoute, ce qui est votre cas, donc ça se passe très bien. Tout va bien, merci beaucoup.